Alors, petite coupure de XSplit, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, les trucs en bêta, donc on est désolé. Oh là là, Lucky Furion, est-ce qu'il a fait un dégât? Ouais, j'ai pas vu malheureusement. Vous avez pas loupé grand chose, un deny de Dendi sur son propre Forged Spirit. Alors que tous les quantiques arrivent en roi. Tous les quantiques arrivent en roi. Qui est tombé pour Dendi. Oh là, qui va réussir alors que. Il y a un super Ice Wall de la part de Dendi qui va vraiment les ralentir, à part Angel qui a bien sûr une haste, mais qui s'avance peut-être un peu. Il y a Miguel aussi qui est sur le côté, ils vont essayer de prendre cette tour. Ils sont 5, hein. Il y a 5 quantiques de ce côté-là. Navi, eux, poche en bas, ils vont prendre la tour en bas. Très bien, leur part. Plutôt intéressant. Il n'y a pas de TP sur le Banana, donc a priori la tour top et va être difficilement défendable. Même s'il force le Furion à revenir pour défendre sa base. Oh, ils l'ont go. Oh, le Furion, il le black de Nima. Et ils font tomber immédiatement le Furion. Ils vont pouvoir s'échapper maintenant. Est-ce qu'il va sortir? Non, j'ai pas l'impression. Ouais, il se fait tomber par la Venge et par la POTM. La tour top pendant ce temps-là a été sauvée finalement par Navi. Grâce à cette bonne attaque en bas. Et donc, la question que je te posais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec son invocateur? Est-ce qu'il est parti? Avec Staff of Wizard en premier item. Est-ce qu'il va pas partir alors que Xbox était allé se fumer l'aventure? Est-ce qu'il va pas partir aussi sur un null alors qu'il y a de l'agression en haut? Angel qui va TP, Mania par contre qui est un peu condamné, je pense. Il va essayer de TP. Ça passe pas forcément. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est désolé. C'est un peu l'habitude de XSplit de planter comme ça et on n'y peut pas grand chose malheureusement. Enfin, je n'y peux pas grand chose, je pense que mon XSplit doit être à peu près. Doit y avoir une couille en tout cas et il va falloir que je le réinstalle. Mais j'ai un peu peur vu le nombre de scènes et le temps que ça m'a pris pour les faire. Je suis pas super motivé. Mais il va peut-être falloir que je le fasse parce que quand il y a un buxon, malheureusement j'appuie sur le son, mais parfois mon XSplit plante alors que Navi va mettre de la pression. Ils vont peut-être essayer de prendre cette tour. Ça me semblerait Force Staff qui a d'ailleurs sauvé la Maiden. Je pensais qu'il aurait pu partir sur un Hull pour garder. Oh, il regarde le Banana pour essayer de la backdoor. Est-ce que ça va passer? Il devrait. Dendi qui vient de se faire choper avec un stun de Rise et un Shaggle Shot. Il y a la Maiden aussi qui s'est fait pécho. Et du coup, je crois que Miguel a deny et XVOCT il y est allé là. Le Shaggle qui a pas proqué, mais par contre il y a le stun de Avenge et ça va suffire. Il y en a qui va récupérer une kill. Navi, ils font un peu n'importe quoi. Ouais, ils sont un peu offerts là-dessus. Pensant à l'énigme, va mettre un peu de pression au mid. Et pour toi aussi, il a une couleur bizarre de S. Il y a un outil tout. Non. Non, mais j'ai ces bugs moi aussi de couleur régulière. Et à chaque fois, tout le monde me comprend. Une fois, j'avais un axe tout rouge, tout bizarre. Une Weaver pleine de pétrole. Ça, je l'ai vu là. Oui, attention au mid. L'énigme qui va essayer de tuer le Shaker, mais il est quand même sacrément. Parce qu'il a 5 cycles de stun. 2 HP, il est Shaker. Il est 1v3, il va falloir qu'il s'en sorte. Il est carrément dans la merde. Il y a une Ace Top. Est-ce qu'il va la voir? Est-ce qu'il l'a vu? Non, il l'a pas vu. Il y a un. Oh là là. Il y avait le. Je me rappelle jamais du nom du sort. Le Sunstrike. Le Sunstrike de l'invoker. Mais leur Shaker a eu le temps de se heal un peu. L'énigme va retourner mid. Il a fini son mecha. Alors que. Oh, il y a une belle flèche qui a touché le Banana, tu vois. Ouais. Il va réussir à s'en sortir. T-stun sur le. Encore une A sur un runner. Il a tourné, il devrait tomber. Le méga qui a été utilisé côté Navy. Et il y a l'écart de gold qui est vraiment ex aequo là. Alors sans compter cette tour, il y avait une. Il y avait deux tours pour. Ouais, il faut dire Navi est en avance de tours. Ils ont réussi à prendre plus de tours pendant. Ils en ont pris 4 contre 3. Oh, ah bah non, ils étaient équilibrés. Donc le farm est vraiment équilibré. Ouais, le farm était vraiment équilibré là avant. Donc on va voir. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que les deux équipes peuvent mettre de la pression en fait. Deux équipes pourraient faire ce que fait Navi. C'est ça qui est vraiment. Les deux picks sont très intéressants. Et ce qui est marrant, c'est que l'invoqueur avait largement mieux farm que la POTM, sauf que lui il est mort deux fois sans avoir fait de kill, alors que la POTM, elle est jamais morte, elle a 3-0-2, elle est sacrément bien. Bon, attention, l'ennemi qui passe derrière la tour, qui va pouvoir stun leur Shaker, et il s'avance, c'est hyper dangereux ce qu'il fait, mais il a hyper confiance en lui, c'est tous les pieds, sont tous avec lui. Il y a un très très beau Shackle sur l'ennemi et l'Enchantress, l'ennemi qui va pouvoir utiliser son mec un peu au dernier moment. Ils sont derrière la tour, donc la tour pense à la continuer de se faire attaquer par les creeps.
Il y a toujours qu'un Forged Spirit, et c'est dommage, je peux pas avoir sa range d'attaque. J'ai l'impression qu'elle est plutôt courte pour le moment. Ouais, il suffit de regarder, tout le petit point d'interrogation là, et tu peux. Ah oui, d'accord, ouais, 400. Il a 400 de range, je pense. En fait, ça dépend de son orbe de Quas. Et quand il aura 4 levels dans l'orbe de Quas, il aura 2 Forged Spirit. D'accord, donc c'est donc bien ça. Donc l'écart de gold qui lui est passé un peu en faveur de Navi, notamment grâce à la dernière prise de tower. Et là on peut vraiment voir la prise de tower. Là là ça se voit vraiment sur le graphique. Donc les équipes qui sont vraiment ex aequo pour le moment. Il n'y a toujours pas d'Arcane Boot par contre sur le S, ça c'est un peu emmerdant. Love and Shoot qui a déjà 2 brasseurs, c'est plutôt pas mal. Ouais, attention, il y a un gros mouvement smoke qui se répare. C'est la POTM qui est un peu à poil. Elle part a priori sur un Django, elle a passé tellement mauvais early game qu'elle est partie sur un brasseur. XBOCT qui est planqué parce qu'il a un peu peur du gang. Et la smoke qui n'aura servi à rien puisque tous les navis se sont reculés. Je sais même pas s'ils ont pas vu activer la smoke en fait. Bah avec la ward là c'est possible hein. Ouais parce que là tu vois ils vont l'enlever donc a priori ils doivent se douter qu'ils se sont fait voir ou quoi. Ouais c'est bien possible. Il est pas très loin hein. Il va avoir ses arcanes mania par contre il aura pas de TP. Link qui va venir attendre tranquillement les arcanes boots. Ouais et Ryze avec sa vengeful il vient de faire 100%. Il avait acheté 2 sentries, il a déwardé les 2 wards des Nivis. Il a deviné parfaitement. Le furon qui part sur un mécasme et qui vont se planquer, le furon qui va se planquer, les navis qui sont en smoke et qui vont rencontrer Ryze qui va se faire défoncer, qui va avoir le temps de stun l'Enigma, mais c'est tout, qui va tomber sous les coups d'Invoker. Ils vont peut-être. Et la navi va tenter de prendre la damage, je pense. Hein. Ouais, je pense. Sans la vente, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire pas de soi, pas de stun. Ah non, il y a un TP à droite de l'Enigma. Pour repousser un peu, visible de la BOTM. Ils vont quand même y aller, je pense. Ouais, alors, il faut voir que c'est le jour. C'est le jour, donc le banan n'a pas son bonus de move speed et d'attack speed. Donc il est beaucoup moins embêtant que la nuit. Alors, sur quoi va partir un Invoker? Je pense qu'il va. Tu crois qu'il va partir sur du travel après ça? C'est possible. Ça me semblerait très étonnant, mais pourquoi pas. Il y a une ward, une très belle ward là de Ryze, qui leur permet vraiment de tout voir. Une ward qui a été reposée exactement au même endroit de la part de Maiden. Est-ce qu'elle est pas en vision? Ah, ça doit être juste, hein. Ça doit être juste au milieu, et ça y est, c'est la nuit. Alors qu'en haut, c'est engagé avec Miguel, qui vient de se faire engager par les navis. Derrière, il y a aussi Ryze. Ils sont 4 les quantiques, ils vont quand même essayer de fumer Miguel qui vient de mettre son ulti qui va rebondir partout, qui va faire énormément de dégâts à tout le monde. Donc il aura même pas touché XBOCT, mais ça va quand même suffire pour le tomber. XBOCT... Oh là là, mais ça lag. J'ai pas vu l'annonce du kill. Dendy qui va se fumer la Vengeful et Maiden qui est morte sous les coups de la Windrunner. Ouais, c'est pas fini, hein. L'invoqueur il est hyper bien. Il a réussi à mettre un joli Icewall pour essayer de s'en sortir. Maintenant il a toujours pas son sort d'invie. Il y a le mec à qui pop au bon moment. Qui va essayer de se retourner. Ouais, il va essayer de se retourner pour mettre des points de dégâts. Il a un Sunstrike. Très bien joué. Le Shackle Shot qui ne proc pas. Il y a Pupé aussi qui s'est fait fumer en attendant. Il s'est fait voir. C'est dangereux ce qu'il a fait, Dendy là. C'est très dangereux, il y a le Fallen qui va TP. Oh, il rate le spout. Oh là 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 là. Ah, je pense qu'il va se faire. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'ordre de vitesse là. Il a des bottes normales, pas d'ordre de vitesse, donc il se fait rattraper. Sans aucun problème, là, il va donner sa vie pour le protéger. Malheureusement, bah, ça va pas servir à grand chose. Ça fait un kill à nouveau offert. Cette fois, c'est XBOCT qui est 1 contre 3. C'est une fight qui est super longue. Ouais, c'est un peu bizarre ce qu'ils font les navis. Ah, oh, freeze un peu et tout, putain. Alors, attendez, je vais regarder tout ça. Hop. Mais faut bien dire qu'il y a 30 secondes de délai par rapport à. Ouais. Non, mais j'ai demandé moi, j'ai sur. Pas...
tu demandais sur MIRC si ça frisait. Je vais couper, j'ai peut-être mon stream en cours. Non, j'ai pas mon stream pourtant. Bah, je sais pas trop d'où ça vient, je suis un peu désolé. Si c'est peut-être de MIRC. Voilà. Non, ça frise. L'invoqueur est parti sur une dagger. Donc il a dagger for staff mais 1000 HP quoi. Invoqueur dagger ? Ça marche. Bah voilà, mais si tôt ? Bah non, non, moi je trouve ça très bien, mais effectivement, c'est compliqué à jouer quoi. Bah, après c'est Denty, ouais. Hein, je me fais pas de soucis pour lui non plus. Mais ouais, il a 1000 HP, il a maintenant 4 orbes de quoi ? 4 orbes d'exhort, donc double forge de spirit. Donc s'il trouve quelqu'un, peut lui faire mal. Il a pas le call stamp de prêt par exemple, par contre ? Ce qui est un peu plus étonnant. Ouais, surtout qu'il pourrait le faire, là il est en smoke, il va essayer d'aller choper Miguel là. Ouais, Miguel il va se faire choper. Oh, il va se faire voir, la smoke finit, la smoke finit. Il se fait bloquer, oh là là, il vient de se faire voir. Oh, le ping a été instant de la part des quantiques ouais. Qui sont au courant. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Et il préfère jouer avec son Ice Wall, alors c'est assez intéressant, c'est un sort qu'on va pas complètement utiliser si tôt d'habitude, mais c'est un sort qui est très très puissant. Mais au final, tu le places avec une dagger, c'est super intéressant. Ouais, bien sûr, mais le problème c'est que il dépend quand même beaucoup des orbes pour de combien il va ralentir. Oh, il y a une Naro qui part sur le côté qui va troucher le Balanar. Troucher. Est-ce que quand il va décider de suivre, je sais pas, regarde. J'ai pas l'impression, c'est plutôt Navi qui va engager sur la Windrunner qui claque son Windrun pour s'en aller. Multifeuille, on quitte son aussi. Oh là là, ils engagent sur le côté avec l'invoqueur et le Balanar. C'est leur shaker qui est la cible. Il va tomber sans rien. Oh non, très bien, Multifeuille qui va le sauver à très très peu point de vie. Oh mon dieu, ils ont tous un HP. Non, leur shaker qui va quand même finir par tomber. La Potem qui se fait silence. C'est la chasse pour l'instant du côté. Il y a Pupé qui s'est fait fumer derrière par Ryze. Ouais. La Mirana qui a réussi à tuer la Crystal Maiden, le Balanar qui est tombé sur la Windrunner et la chasse qui continue, hein, quand, qui est quand même toujours sur la retraite. L'invoqueur qui va pouvoir chasser à l'infini avec sa dagger et son Force Staff. Oh, attention au Balanar qui prend quand même très cher, la Plotaine qui revient lipper dedans, qui se perd dans le cul mais qui tue le Balanar. Un bel Ash Hole dedans aussi. Et là, les deux sont assez loin. Oh, super Black Hole derrière sur le Furion et la POTM, les deux devraient tomber, sauf si la POTM a réussi à leap. Non, elle n'y arrivera pas. Triple kill de Dendy à l'invoqueur, la dagger qui est déjà rentabilisée. Et est-ce que la Vengeful est morte aussi. Impressionnant comme fight. Ouais, c'est assez bizarre, hein, parce que... Ouais, c'est une fight très longue. Les forgés de Spirit qui ont fait un boulot monstre, qui ont fini leur shaker. Le Icefall qui, je pensais pas super bien placé au début. Et au Fionial était posé très intelligemment. Mais ouais. Vraiment un gros. Il y a eu un très bel ultipotème aussi qui a réussi à bien delay l'engage des Navy, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et ça s'est joué à très peu de choses à la fin. Alors, est-ce qu'on a des items intéressants? J'ai vu que la Windrunner avait une pipe. Mis à part ça, il y a Mecha sur le Furion. Pas grand chose côté quantique. Petit drum sur la POTM. Alors que côté Navi, on a Mecha sur l'Enigma. Il y a aussi un petit. Après, c'est engagé au milieu, hein. Il y a Ryze qui a swappé, je sais pas trop qui à l'intérieur. Il va essayer de choper Mania, le Dendy. Il avait mis un très très beau Sunstrike. Et Mania qui a essayé de s'en sortir, mais ça ne marche pas avec Dendy. Mega kill de la part de l'invoqueur qui est à combien? Dendy invoqueur, il est à 7-3. Mega kill, c'est 5, je crois. Il était à 0-2-2. Voilà. Il est passé à 7-3-6. Oh, net. Ouais, ils ont mis le code nap sur Mirana, mais ils vont peut-être pas réussir à la choper. Il y a un void qui va reposer dans une seconde, mais ils vont pas y aller. Les navis, ils vont choper tranquillement la tour. Ok, impressionnant. Ça. De qui est impressionnant? L'invoqueur. Ça change des invoqueurs. Hein. Je te mets une tornade, je te mets un MP et puis je m'en vais. Là, il y a vraiment. Est-ce qu'elle est online la vidéo du match 2? Ah bah non, elle est loin d'être online, Ben, je suis désolé. Bah, elle le sera demain matin, non? Ouais. Si tout se passe bien. Et Navi qui va faire Roshan. Hein. Ils ont les Forgeurs Spirit qui débuffent l'armure de Roshan. Ah non, ça marche pas sur l'auto 2. De quoi? Les Forgeurs Spirit enlèvent l'armure à Roshan. D'accord, je vais comprendre. Arkly va récupérer la guise, je pense que ça va être un boulot pour le Night Stalker. Tout à fait. Qui a fini son Vanguard d'ailleurs, à l'instant. Il n'y a pas très longtemps, peut-être juste avant la fight d'ailleurs.
Enigma qui part aussi sur, sur un Vanguard. Qui a une dagger d'ailleurs. Ouais, qui a aussi une dagger, je viens de dire ça effectivement. Et qui va pouvoir faire des très bonnes engages, surtout qu'il n'y a pas. Alors il y a la Vengeful. Pour le. Il y a leur Shaker aussi qui peut cancel de assez loin. Ouais. Donc même un BKB ce serait pas forcément intéressant. Je pense que ça va être vraiment l'atout en fin de. En fin de fight le Black Hole. Mais bon. Ouais, pour l'instant il le joue assez assez bien, c'est-à-dire qu'il fonce dedans avec son mecha, il tanque beaucoup avec mecha plus Vitality Booster, et il fait peur parce que bah, parce qu'on on peut pas se permettre d'être à 5 dans un Black Hole. Donc ils sont, il force les quantiques à reculer. Alors qu'il y a un bus qui se prépare top sur l'invoqueur. Oh putain. Problème d'Andy. Ça rigole zéro, hein. Ils ont juste tout mis. Pensant à la Podem qui se fait un peu chasser en bas, elle a plus de mana du tout. Une charge dans le stick, ça ouais, suffit pour leap. Elle va pouvoir, mais est-ce que ça suffit? Non, elle préfère TP, c'est très intelligent. La Maiden qui arrive un tout petit peu en retard. Et oui, petite Maiden, tu es un peu trop lente. Dommage parce que tu es vraiment un héros très fort. Enfin. Quantique qui va s'attaquer à la tour top. Voilà, et c'est une armée de jetons d'ado qui passe dans les bois là-bas. Et yep, exact, ça y est, ils sont libérés. C'est la pupée d'ailleurs, d'accord, je me demandais. La pupée, ça fait la deuxième game que joue Enchantress, ça fait une deuxième fois qu'il passe un sacré mauvais quart d'heure. Mais, je trouve Enchantress, c'est un des rôles les plus durs à jouer. C'est ouais, c'est très compliqué. Bah, rien que par sa poule de HP qui est juste ridicule. Puis il faut toujours aller rechercher des creeps pour réussir à farmer, etc. C'est... Et je trouve que c'est vraiment un héros pas évident à maîtriser. Oui, alors en public game, par contre, je trouve ça plutôt cool, mon Chantress. Bah, ce qui est génial, c'est que c'est un héros qui peut tout faire, quoi. Tu peux mettre de la pression early et tu peux carry en late game avec des items. Donc c'est très polyvalent, c'est très bien. Maintenant, comme tous les héros polyvalents, bah, c'est un peu moins bien que les héros spécialisés. Donc c'est plus compliqué à jouer. Bah, quoi que, je veux pas dire, mais anti-mage avec Midas, c'est polyvalent. Hein, parce que après, tu peux t'utiliser. En early, polyvalent. Et ils vont aller engager Link. Voilà un très beau TP de Light of Heaven là. Link qui va TP, mais ça va pas changer grand chose. Il est stunlock tout simplement avec le stun avec le cold snap. 83. Hein. Ils font 83 de dégâts par par lancer les Forged Spirit. Ils rigolent zéro hein, quand ils tirent. Yep. Et le plus embêtant avec ces trucs là, c'est qu'en plus ils ont 900 HP quoi. Et donc ça veut dire que si Dendy les envoie sur un support en début de fight par exemple, genre sur leur Shaker, et ben leur Shaker il peut rien faire, il peut pas aller les tuer. Il va pas se dire tiens c'est bon je les fume et puis après je suis tranquille. Il peut rien faire, c'est juste horrible. Et puis ça tire à 900 de range hein, donc enfin oui, là, peut-être en plus, pas encore. De bâtard. Peut-être pas encore 900, ah quoi que. Attends je vais te dire. Hop, Forge de Spirit, 600. Attaque range ils sont à 600 pour l'instant. 600 d'attaque range, quand il aura son quas au max, ce sera 900 de range, et là, quand ça tire à 900 de range... C'est horrible. Ouais, pour les éviter, c'est un peu tendax. Le Shaker qui est d'ailleurs pas loin de ça, hein. On va voir si Dendy arrive à lui cancel avec ses... Bah, je pense avec que ça va être le but, hein, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Ça va être compliqué, c'est quand même compliqué, quoi, mais... parce qu'il faut réussir à le voir à un moment dans la fight. Mais ça va être un des enjeux... des teamfights, ils vont essayer de push la tour du top Navi. Je pense que Quantic avait moyen de défendre. Ah ouais, non, je pensais qu'il l'avait sa dagger. Non, il est à 200, d'accord. Ah, ouais. Là, c'est dommage, ils auraient pu défendre cette tour, mais là, sans la dagger, je pense qu'ils veulent pas risquer. Ouais, c'est assez compliqué à défendre. Surtout avec le push qu'ils ont. Puis c'est ça vraiment trop de vie ces conneries de Forged Spirit. Ça tente toutes les tours. Oh, il y a un Bling offensive à l'invoqueur. Juste pour faire peur. Et finalement, on l'avait pas trop vu au début, mais les Navi ils ont un gros pic à summon. Hein, avec l'Enigma, l'Enchantress et l'invoqueur. Bah, on l'avait pas trop vu au début parce que. À la base, un jeu comme ça. Voilà, on le voit pas Forged Spirit quoi. Et ça fait plaisir en plus de le voir jouer comme ça. Bah ouais, ça fait plaisir de voir des gens réfléchissent un peu à comment est-ce qu'on peut jouer le héros différemment de ce que tout le monde fait. C'est pas un build maintenant qui est révolutionnaire, mais ça fait plaisir de le voir en game compétitive. Il part a priori sur Aghanim avec son aventure. Ce qui me semble tout à fait légitime.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux stuff là? On a un Enigma à 3K gold. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il a 3000 gold. En BKB, ça resterait assez intéressant, parce que s'il chope la VS, il y a plus personne. Ça m'étonnerait. Pour mais ça m'étonnerait, mais on va voir. Blink Dagger sur leur shaker. Enfin, sur leur shaker. Un Ginzo qui est en préparation sur Natus Prophet qui est encore un peu loin. Et la Myrana qui a vraiment rien du tout. Elle est en train. Enfin, rien du tout. Elle est pas très loin de son Manta. Mais bon. Ça fait tard quand même. Voilà, ça fait tard à 30 minutes d'avoir un Manta. C'est-à-dire que. Bah, ça a été delay quand même par le drum qui coûte quand même 1750, je crois. Bah, je trouve que c'est un item qui coûte cher. Hein. En même temps, c'est vraiment fort comme objet. Mmh. Ouais, mais bon, je crois qu'elle l'a un peu fait par dépit en commençant par le brasseur. Même si je crois qu'on l'avait déjà vu faire un drum sur sa POTM. Bah, la game juste avant. Ah, bah, peut-être. La game juste avant, c'est elle qui avait le drum. Ah bah, j'aime beaucoup d'ailleurs l'aura du drum. Ouais, c'est joli. Très cool. Ça fait un peu cible. Toutes les nouvelles auras, sauf celle du Vlad, elle est vraiment, ouais, vraiment énorme. Quoi. Mais les autres sont vraiment plus pas sympas. Mais genre, ça fait un peu trop cible. Je vais me tuer. Tapez-moi. Mais c'est assez sympa. Il check Roshan ou non? Elle va acheter son point de booster, l'enchantress. Je pense qu'il est très loin de quoi que ce soit. Hein. Et la Maiden qui a un ogre club qui farme. Ouais, c'est un peu la trademark des navis, c'est une Maiden qui farme et qui part sur BKB. Et ils jouent avec très peu de ward souvent, les navis. Ouais, mais là pour le coup, enfin ils savent en fait mettre les wards au moment important. Là ils viennent de complètement encercler la sortie de la base des cantiques avec deux wards très agressifs. Ils ont des wards sur la colline là-bas, donc ils ont enlevé toute la vision des cantiques dans leur bois, et ils ont pris possession de la sortie de leur base, enfin du moins au niveau de la vision. Et là vous pouvez voir que Quantique ne peut plus sortir de chez nous. En termes d'avantage de gold, on peut voir que Navi a vraiment pris l'ascendant avec 5000 gold d'avantage au minimum. Et bah Navi, tant que personne ne sort, il farm, et ils en profitent pour farmer. Ouais, ils rentabilisent surtout mieux le farm que mieux la map que leurs adversaires, vu que pour l'instant il y a quand même 3 héros des Quantiques qui sont dans la base à rien foutre. Alors que, bah, alors que côté Navi, tout le monde est en train de faire un petit spot de bois par ici, un petit spot de bois par là. Bref. Et la scène qui se ramène en des wards. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont foutre là, genre 4 wards. A priori, encore une fois, autour des sorties des bases des Quantiques. Ils veulent vraiment essayer de savoir tous les petits moments, enfin, dès que les Quantiques vont tenter de sortir de chez eux. Bah, pouvoir anticiper tout leur mouvement. Ce qui est intéressant avec le warning des navis là, c'est que de toute façon ils savent qu'il n'y a aucun quantique qui est hors de leur base, donc ils vont voir tout le monde sortir. Vous pouvez pas sortir de la base des quantiques sans être vu, à part en smoke. Ce qui pourrait être d'ailleurs très intéressant pour les quantiques. C'est ce qui est le cas d'ailleurs, non? Ouais, ils sont partis en smoke là. Eh, malin, je suis vraiment un joueur professionnel. Et encore une ward très agressive là, sur cette colline. C'est incroyable. Passion. Regarde les toits des navis, elles sont toutes à la sortie de la base des quantiques. Attention à l'Enigma top qui se bad un peu tout seul. Il a fait travel sur son Enigma. Un certain Arts après. Qui d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il stream beaucoup en ce moment. C'est vrai? Ouais, il stream du CSGO. Ah ouais. C'est assez marrant. Peu fait attention. Si vous aimez le joueur Arts. L'ancien champion du monde Emulate 2007, qui est un gros joueur de Dota, qui a fait partie de l'équipe AAA d'ailleurs, que je manageais, pendant un court moment, et ben il stream, n'hésitez pas à aller voir. Bon courage pour manager Arts. Bon courage pour manager Arts, effectivement. Mais je pense que c'est un joueur qui se manage tout seul. Il n'a pas besoin de. Au moins il sait ce qu'il veut, c'est ça qui est pas mal. Voilà. Bref. Bah les navis là, ils farment, ils mais contrôlent la map. Chose, hein. Pardon? C'est ça. C'est... Non, je tu as raison, complètement. Mais bien sûr que j'ai raison. Ou alors ils sortent un peu les quantiques, mais bon. Ouais, voilà. Mais ils osent pas vraiment sortir voilà, trop loin. Ils ont pas de visu et ils savent pas trop comment aller récupérer de la visu. Alors ça y est, Ryze est en train de ward, qui a réussi à prendre un peu de farm pour acheter des wards, la gagne qui est finie sur l'invoker, la pipe qui devrait pas tarder là, Night Soulker je pense qu'il a déjà acheté un peu non? Ah non, c'est peut-être l'ogre club et peut-être à lui.
Voilà, Maiden d'ailleurs. Il vient de s'acheter la Ganym comme il n'y a pas si longtemps que ça. Donc... Ah oui, d'accord, effectivement, je n'avais pas vu la Ganym. Regeneration. Moi je suis un peu triste pour la petite enchanteresse qui sort vraiment rien du tout. Bah, je pense que c'est celle qui ferme le moins en termes de. Ah, il complètement. Bah, c'est toujours sa chaîne. Pupay, c'est vraiment celui qui se dévoue pour l'équipe. Même si c'est pas forcément lui qui va acheter tout le support, c'est vraiment celui qui ferme le moins dans l'équipe. Et puis on peut voir d'ailleurs en comparant les last hits qu'il y a Furion et Mirana qui sont les plus farm du côté de chez Quantique. De l'autre, il y a quand même 3 héros à plus de 150 ou presque, et 2 héros qui sont plus farm que les 2 autres héros des Quantiques. C'est pour ça que l'écart de gold est aussi important. Il va bientôt d'être de 7500 gold là de différence, et ils sont partis faire Roshan les Navi. Le farm est surtout beaucoup mieux réparti côté de nous. Voilà, de la veine et leur secure ne voit pas un creep quoi. Il y a une gemme qui vient d'arriver sur XBOCT et c'est Invoker qui va prendre la Aegis. Oh, ça c'est intéressant. Il considère donc là que le Night Stalker tank suffisamment pour ne pas avoir besoin de porter la Aegis. Ou alors il considère que l'invoker est trop important maintenant qu'il a gagné. Ou que l'invoker ne tank pas assez pour porter la gemme. Ah, la gemme sur Night Stalker, c'est normal, je pense, vu qu'avec son ulti et la Ganym, il a ce qu'on appelle les jumelles. il a une giga vision autour de lui. Moi, j'aurais dit le pigeon sur l'épaule, mais bon. Chacun sa vision. Et donc, du coup, il peut déward un peu tout ce qu'il voit. C'est très pratique d'avoir la gemme sur Night Stalker. C'est pas une des games les plus actives qu'on ait cast. Par contre, je trouve que, en termes de stratégie. Ouais. C'est. Je pense que Navi. Ils ont eu un peu peur. Ils ont eu un peu peur, et là ils jouent leur jeu. Ils contrôlent la map. Alors certes, il y a quand même 3 quantiques qui sont en haut de la map, qui vont push. Ils se sont un peu montrés d'ailleurs. Je pense que ce serait peut-être le moment pour Navi de se regrouper et d'aller push en bas pendant qu'il y a 3 héros de chez Quantique en haut. Ils sont un peu hors position. Alors certes, il y a le Furon qui va pouvoir TP. Le Furon d'ailleurs qui a fini Seat of Vice. Et ça, c'est plutôt important. Une 5 secondes. Ouais. Sur le banana. On en a pas beaucoup parlé, mais les travels sur Nima, ça va être un très bon moyen de contrer le Furion. Parce que le Nima va pouvoir rester face au Furion, défendre tranquillement, jusqu'au moment où la phase va commencer, il pourra TP et rejoindre ses alliés en bas. Donc le Furion sera plus vraiment une menace contre. Alors, Invoker il commence le fight. Enfin, il a commencé le fight avec Tornado. Tornado Météor. Il a déjà lancé. Non, mais, déjà... mais c'est un bon combo. Hein. Ouais, totalement. Cette titan là par contre, elle est très longue, il a pas beaucoup de. C'est quoi la rampe à Tornado là? 1200. Ouais, ça reste correct, mais c'est vrai que la Tornado est plus longue. Et par contre, sa météore, elle est très longue, mais elle va faire hyper. Faire les dégâts max. Ouais, 145 et 0,5. Ça fait les dégâts d'un ulti, et au final, Navi, qui reste mettre la pression, il y a toujours la Windrunner qui est en haut, c'est qui est en haut, c'est aussi Negima, ouais, avec ses travels, tu vas pouvoir TP quand il le sent, quand il sent qu'il en a besoin. Ouais, et la tour qui vient se fait graphier petit à petit par les Navi. Ouais, par la Forge Spirit, par Pupé, etc. Il est parti, à l'intérieur. Une météore. Il a lancé dedans sa météore, putain. C'est quoi le range? Mais il a bling dedans. Ah, il a bling dedans, d'accord. Ah, il a bling dedans, je crois qu'il a fait tornade météor. Mais ça. Le S qui arrive, ils vont essayer de repousser un bout de ça. La tour qui est très low HP, ouais, qui a pas tardé à tomber. Ils sont obligés de mettre l'invulnérabilité maniaque qui peut juste pas engager là. Il y a un Ice Wall qui les empêche vraiment de faire quelque chose. Est-ce que le Ice Wall fait des dégâts d'ailleurs? Ouais, des dégâts. Pas grand chose. 42 par seconde. Ouais. Ils n'ont pas grand chose et je pense qu'ils vont finir par péter cette tour. Et là, ça va être problématique pour Quantique pour réussir à def. C'est-à-dire qu'ils vont avoir encore un peu plus d'espace. Et les Forgers Spirit vont avoir le dernier coup. Même pas de deny de la part des. Ouais, c'est un peu étonnant. Des Quantiques. Et là, mais on a l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Il y a Light of Heaven qui est en haut, qui a 3500 gold, qui est tranquille. Et ils sont juste complètement bloqués. Hein. Ouais, ils sont complètement bloqués. Parce que là, ils pourront même commencer avec l'oracle. L'oracle qui perd pas de vie, on sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a pas de crypt. Ah, et bien vu. Oh, et ça y est, il a fait
il a TP Angel, on devrait peut-être pouvoir un petit totem pour essayer d'engage. Il y a une belle sentry qui a été posée, il me semble c'est une sentry des Navy qui est là en premier lieu. Et il est plus où? Ah oui, il est plus. Je le voyais même pas. Donc il a TP pour ne rien faire en fait, c'est bizarre. Et bah Light of Heaven qui reste en. C'est marrant. Ouais, la Totem qui va se régène. Le géant qui va TP, mais il va mettre un peu de pression. Et ça y est, c'est parti, là, Minima ATP en bas, ils vont sortir toutes les invocations. Et le Fion qui TP back, qui a mis un peu de pression, qui a mis des tréants, et qui s'est barré. Non, il a même pas mis de tréants, il vient de les mettre, les forces fleuries qui mettent un peu de dégâts à la mêlée baraque. Mais est-ce que tu crois qu'ils vont rester pendant 10 minutes à picorer comme ça? Bah pour eux, ça leur coûte rien, et leur seul problème, c'est que la nuit se termine. Mais là, ils ont le temps. Ah, effectivement, ils ont le temps. Ils vont peut-être... Allez, si, ça y est, c'est parti sur la pote qui va prendre la tornado. Les dégâts que ça a fait. Et ils vont pouvoir mettre un peu plus de dégâts, là. Ils sont vraiment rentrés dans cette truc. Un Shackle Shot qui part sur XBOCT qui va prendre un peu de dégâts. Light of Heaven. Et là, il y a quand même beaucoup d'invocations des deux côtés. Et la Rax qui va tomber. Ils vont rien pouvoir faire, Quantique. Et Navi, ils peuvent reculer, là. Alors que ça va être engagé. Maniac a même pas eu le temps de mettre de... l'ulti Enigma qui vient de se faire cancel à l'instant par la Venge et c'est complètement le bordel. Le Shackle Shot qui vient de partir, l'Enigma qui tombe. En attendant, les navis de peut-être qu'ils sauveur extendent un peu, ils vont peut-être réussir à tuer la Mirana et encore, c'est même pas sûr. Raze qui va tomber par contre, tous les deux peupets et les navis qui vont reculer. Un Shackle Shot encore très bien placé de la part de Angel, mais là il y a beaucoup d'invocations, notamment les Forged Spirit. Et Angel il a pris le code snap, il a pris le maléfice de Enigma et il va tomber sous les coups de XVCT. Qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de points de vie, il faut qu'il fasse attention, il va se remettre un peu de luante sur la gueule et ils ont trouvé les deux Rax, les navis. Encore un Shackle Shot. Mais les Rax sont tombés, ouais, donc. Eh bah donc c'est propre, hein, c'est propre, c'est facile. Voilà, c'est super facile. L'Enigma qui a un centre-bite notamment parce qu'il avait 4K au fight. Navi qui. Dendy qui est retourné dedans là, faut qu'il fasse attention, il faut encore un Shackle Shot. Un ultimania qui va d'arriver, mais malheureusement qui va pas faire autant de dégâts que ça. Mania qui va tomber instantanément, qui aura tué personne. Je sais pas trop pourquoi il a fait. Qui a fait proc de dégâts, peut-être la pipe. Je sais pas s'ils ont une pipe et le mecha. J'ai pas eu l'impression. Ouais, peut-être. Ouais, ça doit être le mecha. Peut-être qu'il y avait juste deux dessus. Hein. Il y avait que deux héros. Ouais, peut-être, ouais. Et Navi du coup, qui sent confiance pour aller au milieu. Je trouve ça peut-être un peu. Il y a encore deux morts côté. Ouais, c'est vrai, mais Dendy il a. Mana, la Raze qui va se faire défoncer, qui a le Cold Snap qui arrive quand même à lancer son stun. Sur XBOCT, l'ulti Furion qui met le HP de tout le monde. Invoker qui perd son Aegis. Ah, qui va tomber, il faut qu'il fasse attention. Il y a le Manta qui fait énormément de dégâts. Dendy qui va venir pour tout dispel. On vous rappelle que la tornade de Dendy dispel tout. Pupé, oh là, Pupé, faut qu'il fasse attention. L'Enigma aussi qui tombe. XBOCT, il est en mauvais point. Bah, il tank beaucoup quand même, faire attention à Nick, là c'est complètement le bordel. Dendy il est au milieu, il se fait plaisir, par contre là il va se faire un peu stunlock et il va tomber. Dendy qui tombe. Ouais, l'avocat qui tombe, ça fait. Il est un peu extensé de la vie et peut-être que quand il va tenter de contrer au mid, ils ont quand même pas mal de temps. Ouais, mais il y a une tour en fait. Oh, une régène, et Rovus qui trouve une régène top avec son banana. Il a check le Roshan Miguel, mais qui n'est toujours pas pop. La vache, quel fight! C'est dommage pour eux. Ça a été du fight pendant 2 minutes. Peut-être même plus. Et l'avocat, ce qui était drôle, c'est qu'il est revenu 42 fois quoi. Il savait, il pouvait juste back 30 fois, il est revenu à chaque fois. Oh, je reviens, je redag, je refais staff. Alors certes, ils ont tué plusieurs fois plusieurs héros, mais derrière, il meurt à 5 et il laisse l'occasion à Quantic de prendre le fight. C'est un peu ce que disait Light of Heaven dans son interview, c'est que généralement ce qu'ils font c'est qu'ils contrôlent la game jusqu'au point où ils sentent qu'ils ont gagné et là ils commencent à troller. Ouais, je pense que là on est un peu dans le moment où ils commencent à troller. Il n'y a plus de gemme sur. Bah si, il y a une gemme sur Xbox. Si, il y a toujours une gemme, pas de problème. La pipe par contre qui va protéger Mania pendant quelques instants encore. Une petite tornade, ça ne va pas assez loin, il n'y a pas assez d'ordre de Wex. Ah, parce qu'il récupère tout sur l'archer. Portée du Cold Snap, c'est impressionnant. Ouais. Tu peux le mettre de super loin. Et donc, du coup, Navi qui va retourner mid. Est-ce qu'il y a un ulti Enigma? Il y a un ulti Enigma. C'est encore la nuit.
je sais pas trop encore pendant combien de temps, il est... Bah, on sait pas quelle heure il est malheureusement avec Gucci. 2 XBOCT. Dendig a 4000 gold. Ah, il a acheté quelque chose, il a acheté un BKB Enigma. Donc s'il arrive à choper... Oh, il est bien pris dedans. Ouais, c'est vrai. En jet. Oh, là, il a un le Bananar qui se fait stun par, par la Vengeful, l'Invoker qui retourne dedans, très beau Black Hole. Alors, il se fait un stand vraiment frontal par la Venge qui reste bien faire son boulot, bien en retrait. L'Archaker qui va mettre un très bel ulti pour choper l'Enchantress et la Maiden. L'Enchantress qui est toujours en vie, Dendy qui est toujours dedans, a défoncé l'Archaker. Attention à Maiden qui est dedans, très beau blink défensif de Dendy qui va pouvoir s'en aller avec son Power Staff. Le nombre de sorts qui sont envoyés. Pupé qui est quand même mort sous les... avec l'urne de Miguel. Miguel qui a d'ailleurs récupéré la gemme de XBOCT. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence, mais... Non, mais... Mais bon, quand il vient, Roshan qui vient de rip-hop. Et qui va être sans doute le prochain point de... Le prochain point de fight. A noter quand même le très bon boulot de la Venge qui reste toujours bien en retrait pour pouvoir cancel l'ulti de Ligma. Ce qui est étonnant, c'est que... D'ailleurs, tu peux regarder, hein, Enigma, il a jamais utilisé son BKB de la fight. Ouais, je pense qu'il l'utilisera seulement s'il voit qu'il a la Venge dans son ulti. Ouais. Ou que ce soit pas déjà utilisé, sinon, enfin, c'est une seconde de perdu, quoi. Oh, Invoker Refresher. Ça veut dire que le mec va faire un Blink, Tornade, Météor, Blast, Refresher, Tornade, Météor, Blast. Et il pourra reblink en plus, s'il veut. Oh la vache! Ouais. Bon alors par contre, franchement, bon courage à lui pour utiliser tout ça. Hein, parce que Parce que déjà qu'Invoker sans refresher, c'est une horreur. Alors c'est une horreur dans le sens où... C'est compliqué. C'est, voilà, c'est, vous avez 10 sorts à utiliser. Alors il n'utilise pas les 10 sorts parce qu'ils sont pas tous intéressants dans son cas. Notamment l'invitation. Franchement, comme ça. Ouais, mis à part 2 ou 3, il utilise tout le reste. Hein. Oui, voilà, il utilise 6 ou 7 sorts au minimum. En permanence, je l'ai pas vu poser de MP non plus. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de MP, pas de Ghostwalk, mais à part ça, il utilise tout le reste. Donc, mais il utilise 7 sorts, il va mettre un refresher en plus, donc bon courage à lui, XBOCT qui est un peu parti. Putain, refresher. Ça va être énorme, enfin, le teamfight va juste être incroyable. Parce qu'au moment du refresher, il va juste une fois de temps en temps, pendant les gros teamfights, mais ça veut dire qu'on va avoir double météor avec double blast, quoi. Il va pouvoir one-shot n'importe qui. Yep. Et là, Navik attend juste que les creeps en bas fassent leur travail, vu que c'est évidemment des méga creeps, pour pouvoir aller faire Roshan tranquillement. Sauf que Kontik, ils veulent vraiment ce Roshan. Ils ont vu que les Navis aussi le voulaient. Il va y avoir peut-être une fight décisive auprès de Roshan. Les Navis qui sont en train de se diriger, il n'y a pas de Light of Heaven. Va peut-être falloir faire l'effort Jet Spirit pour lui permettre de TP d'ailleurs. Ouais, le Furion a TP avec un T-Scroll, du coup il peut revenir avec son sort de TP. Et il y a un Ginzu sur Woodrunner, je sais pas si on l'avait déjà mentionné ou pas. Non, on ne l'avait pas mentionné. Monkey King Bar aussi sur la Mirana, on va peut-être faire un petit point parce qu'il y a des objets qui pop de nulle part. Le Furion, est-ce qu'il s'est fait un peu de stuff en temps? Il y a une pipe aussi sur la Woodrunner, c'est ça. J'ai à l'occasion, il y a 4000 gold sur Furion, un peu plus après son ulti. Oh, 5 gold. Bullseye sur le Bananar. Mais ils y vont. Il voulait envoyer Naro Jack Roshan. Il va prendre un Bananar. Et du coup, ils savent pas s'ils peuvent y aller ou pas. Sinon, ça me paraît vraiment compliqué à contester, mais ils ont pas le choix. C'est un Roshan souci avec Cheese, vu qu'il n'y aura pas de bug dans cette game. Ça m'étonnerait sincèrement que Dendy joue avec le script. Hein. On a vu une vidéo de lui jouant l'Invoker, où on a vu ses mouvements au clavier. Je t'assure qu'il ne joue pas avec script. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rigoler. Personne qui dit ça sur les joueurs pro, notamment lorsque Matrice avait fait l'objet. D'ailleurs, c'était Mania, je crois. Attention, Arsard Camille, son BKB et qui a mis son ulti, s'est engagé pour ce qui est un peu au milieu là de tout le monde. Une superbe tornado BKB. Il a pas utilisé son refresher encore, Dandy. Ouais. Ils sont les crashers. Très belle ulti ES qui va stunlock un peu tout le monde là-bas. Le blast qui pop maintenant sur l'Archaker. L'Archaker qui va se faire stun silence et sortir de la fight très très rapidement. Les Kantik qui sont pas hyper bien. Ils sont pas du tout hyper bien là. Obligés de les défendre. Ouais, tous les navis avaient largement assez de vie.
passe, et du coup, Navi qui va récupérer un Roshan avec Cheese. Alors, il y a un slot. Putain, j'avais pas vu Asokura aussi sur Nightsoker. En fait. Et le Coslap qui proc. Il va y avoir Agami fini sur Pupé. Je sais pas s'il va bail par contre. Ça me semble intéressant si hop, il a bail son Aghanim, il va se le ramener le Cheese qui est sur le Night Soccer et donc Aghanim Dengi. Ah, je suis un peu déçu, j'avais suivi un dernier fight, il a sauté dedans pour se faire ex immédiatement. Ouais. Il a toujours son refresh, il a toujours tout. On va voir ce qu'il arrive à nous faire sur cette fight. Alors, Désolateur qui est complété sur le Prophet. Comme vous savez, j'ai essayé de vous expliquer rapidement, chaque sort correspond à une combinaison de ces trois boules en fait, vous voyez, tourner autour de lui. Les scripts, l'intérêt, c'est de pouvoir cliquer sur une touche, que ça fasse la combinaison. Comme ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur l'ulti pour faire le sort. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et il y en a beaucoup qui disent que certains utilisent des scripts. C'est pas le cas chez Dandy notamment. Et sur beaucoup de joueurs pro, je pense que c'est pas le cas. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Il y en a qui l'utilisent libre à eux. De toute façon, pour moi, c'est pas vraiment interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de statut concernant les... Non mais ils en ont juste pas besoin. Non, oui. Oh y'a un beau chacun shot qui a trouvé. Alors son prêtre qui. Bon donc il va se faire bien protéger tranquillement par Rovos. Rovos qui a son chi sur son balanard, il se fait ex par le Furion. Qui a désolateur d'ailleurs. Et ils veulent essayer d'engager Dendy. Trop facile. Il provoque hein. Dendy provoque. Ouais. Les trolls tout à l'heure, enfin. Il s'amuse là. Désolateur sur Furion, ça c'est. Ça va vraiment les aider à booster hein, le DPS. Et regarde d'où attaque les forgerons de Tharax. Ouais, bah 900 de range, hein, c'est complètement dépêché. Des catapultes le truc. Et regarde, ils arrivent pas à les tomber, Runner n'arrive pas à les tomber. Je pense que les catapultes ils tiennent de moins. Enfin, j'arrive pas à voir, mais. Oh là 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 là. Très belle tornade avec un fer. Oh là là, le Balnar qui est sous le coup de. Sous l'ulti du. De leur shaker. Nouvelle tornade, nouvelle météore. L'invoqueur qui fonce dedans. Il y a eu un bel ulti de la Maiden avec son AKB. Et l'invoqueur qui va tomber. Assez mauvaise fight pour l'instant, à mon avis. L'invoqueur va ripop. Il évite la flèche. Et l'arc. Et l'arc qui tombe. Ils ont fait le boulot. Oh là, attention, il prend une flèche un peu débile. C'est un peu dommage. Il va tomber là-dessus. Dendy. Et là. Quantique qui peut facilement retourner un peu à l'épouche. Alors certes ils ont perdu deux côtés, deux sides. On sent pas les navis sereins je trouve. Bah ouais ils font un peu n'importe quoi mais d'un autre côté, Quantique, enfin les punis pas, là ils font un peu n'importe quoi, Quantique gagne plus ou moins la fight, mais ils vont pas push. Ah effectivement, ils sont pas punis, il y a un Helmos Dominateur qui est arrivé sur la Mirana. Pourquoi pas. Enfin, ils mettent du temps les Quantiques à se mettre en route, à aller mid, à essayer de prendre quelque chose. Et là, le temps qu'ils arrivent, bah, la Maiden et le Balnar vont être eux, ils ne manquent que l'invoqueur. Finalement, ça va sans doute suffire. L'invoqueur, il peut peut-être rebuy d'ailleurs. Ouais, il va pouvoir rebuy. Hop, il attendait le dernier sans moment problème. Des Quantiques. Et là, les Quantiques, faut qu'ils fassent attention. Ça m'étonnerait qu'ils restent. C'est compliqué de push quand même. Balanar il part à la chasse. Ouais, Balanar il part à la chasse. Je sais pas qui va rester, qui va réussir à choper. Faut pas oublier qu'il y a une dagger sur Nandy qui met une super tornade là, qui chope 3 héros ennemis. Il se fait direct ship. Mais en attendant, il y a leur shaker qui était sur le côté qui se fait choper aussi par Enigma. Dendy qui va se faire all-in. Dendy qui tombe après le rebuy. 85 secondes. Link qui se fait un peu all-in là par Pupé. Link qui va tomber, un super ulti Maiden là qui fait un énorme job ainsi qu'un super black hole. La Windrunner qui est tombée, Rice, le Furion qui va tomber aussi. Et c'est au tour de la VS. Très belle fight des Navi. Dendy qui fait un peu trop le fou, qui s'est fait instant. Mais il y a 3 morts. Mais finalement, côté fait que Dendy fasse l'idio comme ça devant, il prend tout le focus des adversaires et c'est l'enchantresse qui a pu tout récupérer. Elle a fait triple kill avec son ulti. Et l'ulti Enigma et l'ulti Maiden ont fait aussi un super travail. Donc il canalise un peu les sorts adverses pour que ces élèves puissent tout mettre. Donc tout va bien. Et la deuxième Raxmid qui devrait tomber. Et je pense même, vu l'avancée des creeps, je pense même qu'il devrait peut-être même essayer d'aller en haut.
pendant 10 secondes, ils sont encore... ce serait bien même qu'ils essayent de choper quelqu'un, je trouve, pour prolonger leur période de supériorité numérique. Ils sont 4 là, les navis. Ils vont essayer de prendre cette tour et j'espère qu'ils reculeront après. Voilà, c'est très bien. Oh, super. C'est très propre, mais ils se sont fait choper. XBOCT qui va, je pense... Oh, c'est plus la nuit. Ah, le jour vient de pop. Ouais, mais il devrait quand même... 15 secondes de ce vaisseau, l'ulti. Ah, c'est même pas sûr qu'ils s'en sortent. Hein. Ils vont le go. Ah, très bien joué de XBOCT qui a silence directement Miguel, mais trop tard pour son spot. Et il devrait tomber, XBOCT, c'est un peu dommage. Il a 3200 gold, il peut revive, par contre. Mais regarde le mid, regarde le mid. Il y a plus de tour. Attaquer le trône. Voilà, Link qui très intelligemment ses catapultes, c'est ça qui fait mal à votre trône, c'est pas les creeps. Prenez juste l'aggro des creeps et puis venez tuer les catapultes. C'est ça le plus important. Mais là je trouve que Navi fait vraiment durer le plaisir. Ils sont vraiment bien. Il y a plus que Dorax pas protégé par une tour. Oh, Dendy qui vient de trouver l'Archaker. Oh, il évite la fissure. Le quoi snap qui est posé. Et Mania qui ne pourra jamais poser son sort. Dendy qui passe en invie. Il y a plus de gemmes. Non, je ne pense pas. Non, elle a été cassée tout à l'heure par là. D'accord. Est-ce qu'il y a eu du nouveau stuff? Nous avons sur Dendy avec son putain de... Oh là, il s'est fait engager Dendy au milieu, mais il y a tous les navis qui arrivent. Link qui va se faire défoncer. Dendy qui va tomber instantanément. Mais Link derrière, qui a plus beaucoup de points de vie. Miguel qui est en plein milieu et qui devrait tomber sous les coups de Pupet, je pense. Et ben non, perdu. C'est l'énigma, mais en tout cas, il est mort. Et là, c'est là où on se rend compte que c'est Pupet avec son enchantress qui fait vraiment beaucoup de dégâts à partir du moment où il a son Agani. C'est-à-dire qu'il a fait une très mauvaise game, mais que maintenant, un super shackle shot encore au milieu. C'est ça qui est horrible finalement pour les quantiques, c'est qu'ils savent pas qui focus. Oh, il y a une gemme par terre. Ils vont la récupérer. S'il focus pas la. Enfin, si personne s'occupe de la Maiden, elle va blink dedans et mettre un gros ulti. S'il garde pas le swap pour l'Enima, bah c'est l'Enima qui va mettre son black hole sur tout le monde. S'il s'occupe pas de l'enchantress qui est relativement fragile, et bah elle va les découper avec son Agani. Mais s'il touche pas à l'invoqueur, bon courage quoi. Voilà. Donc c'est assez embêtant. Et c'est ça aussi qui est intéressant de faire farm tous les héros. C'est que tous les héros sont potentiellement dangereux. C'est pas forcément le chef pas trop de l'aura de d'assaut cuirasse. Oh ouais. Surtout quand tu sais. Quand tu verras la Vlad, tu verras qu'elle se saute aux yeux. Hein. Elle est toute rouge. Là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais avant, elle était plus petite. Rouge sang. Ouais, c'est ça. C'est même plus grand. Bref. En termes d'items, il n'y a pas grand chose. Hein. Les héros, ils gardent l'argent. Ah si, il y a un Cristallis. Cristallis sur Scandrel part aussi sur Crystallis en fait. Je pensais qu'il partait sur Blood Mail, mais je pense que pas. Ah et Bash sur Stopcat. Ouais, il devrait aussi partir sur Crystallis parce que Link a fait Crystallis. Ouais, je pense aussi, ça me paraît. C'est beaucoup plus intelligent d'ailleurs que Blood Mail. Link a le faire aussi sur Enigma, ça j'avais pas vu. Ah bah du coup maintenant il va pouvoir mettre son. Voilà. Et mettre son ulti en BKB parce que la plupart du swap, Link va le protéger du swap. Un basher aussi sur le Nightstalker. Ouais, tous les héros commencent vraiment à être trop stuff. Et je pense qu'il va falloir que ça va être... Alors, quand tu qu'ils ont plus le droit à l'erreur. Ils perdent un fight, ils perdent les deux racks. Et puis, jouer contre des méga creeps, c'est impossible. Donc voilà. Mais là, ils font vraiment du plaisir, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'une heure de jeu... Enfin, normalement, il n'y a pas une heure de jeu à ce stade de la... On est en live depuis 18h, moi, personnellement, je me suis dit, il est 23h. Il est 23h. Je me suis dit, il est possible que ça se finisse vers 20h, quoi. Mais avec des mecs comme ça qui trollent, ça va pas être facile. Et il faut dire qu'ils sont pas là. Là, ils sont chopés à quelques... Ouais. Oui, ils peuvent très bien faire. Ah bah oui, c'est ça aussi qui les fait rire, je pense. Que... Enfin, il y a un peu de risque, aussi. Bah, c'est-à-dire que là, les héros en face sont tellement stuff, notamment avec le désolateur du Furion, l'aura Venge, etc., qui peuvent tomber le trône le temps de 80 secondes en pétant la rax du milieu, même pas prendre les rax, juste aller taper le trône derrière. Roshan qui est toujours par eux pour notre tour. Ils vont aller en bas. Oh, attention, le Furion vient de top. Ça leur laisse 20 secondes là pour réussir un engage. 20 secondes où le Furion pourra pas être là. Banner qui mène la charge, est-ce qu'il cherche quelqu'un? Oui, il a plus OPM. Ouais,
une super tornade qui va choper la VS. Est-ce qu'il y a une gemme là du côté des navis? Non, non plus. C'est dommage. Ah si, c'est sur l'enchasse. L'enchasse, c'est un peu loin. Ça va, on dit pas la même chose, c'est cool. Là. Yep. et donc, du coup. Pas ouais, c'est bien pardon. Plus, non pardon. Du coup, les navis, bah ils vont trop, non? Ouais, ils vont trop. Bah, il y a plus de tour, hein. Voilà, très très beau jeu de derrière sur le tapis. Et l'enchasse, je vois, c'est parce qu'il y a peut-être quoi. Attention au Blackpool. Oh le Blackpool, c'est un peu triste. La VS qui se fait fumer sur le côté, la Windrunner aussi, la Totem qui revenait de sa base, qui rate son arrow, elle se fait découper par l'enchasse, qui fait énormément de dégâts sur le feu maintenant. Un Booker qui revient, qui a réussi à sortir un Shaker, et bah c'est déjà pareil. Et c'est le GG Navi qui va gagner. Je vais noter le temps. Navi qui va gagner au bout de 1 heure de jeu pile. Hein. La vache, c'était long. Ah merde, putain, c'est chiant. Au pire des moments. Voilà, j'ai reboot le son. GG well played. Alors on va regarder ensemble quel a été le temps. 59-27. On va regarder tout ça. Allez, je vais me... 59-27, je vais le noter, sinon je vais oublier. Voilà. Hop. Oh non. Je crois avoir leak le mot de passe. Oh merde. On va voir. Alors, 59-27, je vais checker tout ça. Ouais, non, je peux laisser ça.